Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur la revue des mécanismes de tarification de carbone au Canada. Je suis Pierre-Olivier Pinault et ça va être moi qui vais introduire Renaud Gignac pour ce webinaire que nous avions prévu avant le début de l'annonce de la campagne électorale. Et ce webinaire devait aussi porter sur les ajustements à la frontière pour les tarifs sur le carbone. Malheureusement, ce volet-là d'ajustement à la frontière a dû être éliminé parce que notre invité, faisant partie du gouvernement fédéral, n'a pas pu, n'avait pas, n'était pas autorisé à discuter de programmes du gouvernement que le gouvernement n'a pas encore mis en place. Donc, on aura toute la place à Renaud Gignac pour sa revue des mécanismes de tarification du carbone. La campagne électorale, comme vous le savez, est en cours. On parle de plus en plus d'environnement, peut-être pas assez pour certains, mais on en parle. On parle peu, cependant, dans cette campagne-ci, du prix sur le carbone. Dans les dernières campagnes électorales, le prix du carbone était central. Il y avait un désaccord entre les partis politiques. On a maintenant au Canada un accord sur le principe de payer pour le carbone, mais on en parle peu et probablement parce que on ne comprend pas bien la tarification du carbone. Et en plus, on n'a pas seulement un prix sur le carbone, on a de multiples prix sur le carbone. Et comme on ne comprend pas un prix, on comprend moins, encore moins les multiples prix du carbone qui existent au Canada. C'est pourtant clé. Plusieurs économistes et plusieurs personnes sont convaincus que la tarification du carbone est essentielle pour avoir une lutte contre les changements climatiques qui est efficace. Au Québec, la semaine dernière, si vous n'étiez pas au courant, le prix du carbone a augmenté de 30%. Il est passé de 22 $ la tonne à 29 $ la tonne dans le marché du carbone, le SPED, le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission. Donc, ça a un impact direct sur le prix de l'essence. L'augmentation de la semaine dernière à elle seule, cette augmentation représente 1,6 cents de plus sur le litre d'essence. Ceux qui achètent encore de l'essence, eh bien, sont soumis à cette augmentation-là. Sans avoir la perspective de où est-ce que les prix s'en vont, c'est difficile pour les consommateurs de réagir. Donc, il faut bien les comprendre et c'est la raison pour laquelle on a organisé ce webinaire. Vous êtes plus de 500 à vous être inscrits au webinaire et au moment où on se parle, nous sommes 227 à brancher sur le webinaire. Sans plus tarder, je vous présente Renaud Gignac, qui est chercheur principal à l'Institut canadien des choix climatiques. C'est un économiste, un avocat, c'est un expert en politique climatique. Il a plus de 7 ans d'expérience dans le secteur privé, public, universitaire et dans les ONG. Il a collaboré ou il est l'auteur de plusieurs rapports et aujourd'hui, Renaud va nous présenter le contenu de plusieurs de ces rapports fort intéressants que l'Institut sur les Canadiens des choix climatiques a réalisés. Donc, Renaud, je te donne l'espace et je m'éclipse. Avant de m'éclipser, j'invite tout le monde à poser des questions dans la section questions et réponses, Q&A, que vous devez voir en dessous de votre écran. Et quand Renaud aura terminé sa présentation, eh bien, on va pouvoir passer aux questions et réponses. Si on a passé, on va commencer par les questions écrites et si on a, on va passer au travers de ces questions-là. Si on a du temps, on va pouvoir vous entendre et vous pourrez poser vos questions directement en ligne. Le webinaire est enregistré, il sera rendu disponible par la suite et les diapositives sont déjà disponibles sur le site de la chaire. Donc, Renaud, partage ton écran et allons-y. Merci Pierre-Olivier. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Renaud Gignac, je suis chercheur à l'Institut canadien pour des choix climatiques et je vais vous présenter le résultat de notre évaluation d'experts de systèmes de tarification carbone 2020 réalisé pour le compte d'Environnement et Changement climatique Canada cette année. Donc, je mentionne d'entrée de jeu que je reconnais que je vis et travaille à Montréal, autrement appelé Tsiotiaké, et je souligne ma reconnaissance à la nation Kanien'kehá:ka ou Mohawk et au peuple Anishinaabe et plus largement à la Confédération Haudenosaunee ou Iroquoise.
J'ai aussi mentionné que dans le contexte de la campagne électorale fédérale en cours, le statut indépendant et surtout non partisan de l'Institut fait en sorte que je ne ferai pas de commentaires sur les propositions des différents partis politiques, mais plutôt je vais m'en tenir là, aux résultats de notre évaluation d'experts et aux politiques telles qu'en vigueur au Canada présentement. Quelques mots sur l'Institut. Donc, l'Institut a été créé récemment à l'initiative de la ministre Catherine McKenna en 2019. Donc, c'est un institut indépendant financé exclusivement par le gouvernement fédéral. Donc, structure indépendante, conseil d'administration entièrement indépendant, plus de 30 experts regroupés dans trois panels qui sont consultés dans l'ensemble de nos études. On a aussi un groupe consultatif, un secrétariat professionnel de, je crois, 40 personnes, autour de 40 personnes, et un réseau de partenaires. On souhaite informer les décideurs publics au niveau fédéral, mais aussi provincial et même municipal sur les meilleures politiques climatiques d'un point de vue de l'efficacité à réduire les émissions de GES, mais aussi sur d'autres dimensions comme l'équité et la faisabilité. Et on souhaite quantifier aussi les différents choix politiques pour informer et permettre aux décideurs de prendre des choix éclairés sur la marche à suivre. Un aperçu de nos partenaires, donc plusieurs partenaires au Québec, dont l'Institut de l'énergie Trottier et Uranos. Le contenu de ma présentation va se faire en trois temps. Donc, on a publié trois éléments, là, trois documents qui sont pertinents à la discussion d'aujourd'hui. Le premier, c'est l'évaluation d'experts sur des systèmes de tarification carbone qui a été publié par Environnement Canada. Donc, c'est disponible sur le site d'Environnement Canada depuis juin dernier. En accompagnement à cette évaluation d'experts, on a l'Institut publié sur notre site des défis et des recommandations. Donc, c'est un peu un sommaire, un condensé de l'évaluation d'experts, mais aussi qui inclut des recommandations, ce qui n'était pas couvert dans notre mandat auprès d'Environnement Canada pour l'évaluation d'experts. Plus récemment, on a publié un blog sur la mise à jour de la tarification du carbone au Canada qui a été publié au début du mois d'août. Et je vais présenter les grandes lignes là, de la mise à jour. Premièrement, donc l'évaluation d'experts de juin dernier, donc c'est un travail qui s'inscrit dans le cadre pan-canadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Donc le cadre pan-canadien prévoit des évaluations périodiques du système de tarification du carbone et c'est dans ce contexte-là que l'Institut a été mandaté là, pour réaliser l'évaluation indépendante. On ne fait pas une évaluation cotée des systèmes, donc on ne fait pas de bulletin des provinces, mais on regarde dans quelle mesure les systèmes de tarification carbone permettent de réduire efficacement les GES. On a consulté toutes les provinces et tous les territoires, donc plusieurs appels et suivis là, auprès de hauts fonctionnaires dans le cadre de cette évaluation. On a intégré plus de 2000 commentaires des différentes parties prenantes. On a consulté également des organisations autochtones nationales. On a demandé à notre réseau d'experts, à cinq experts, de faire une révision par les pairs. On a consulté également 15 experts de la tarification du carbone partout au Canada. Et l'évaluation a été publiée de façon indépendante, donc il n'y a aucune ingérence là, d'Environnement Canada ou d'autres branches du gouvernement là, par rapport à nos conclusions. Peut-être quelques mots sur qu'est-ce que c'est l'efficacité d'une tarification carbone? En fait, on s'est basé sur quatre considérations. La première, c'est la réduction des émissions. Est-ce que le mécanisme permet d'avoir une certitude que les émissions seront réduites? Et donc,
la rigueur de la tarification du carbone ne devrait pas être examinée exclusivement sous l'angle de la tarification, parce que la tarification n'est qu'un moyen parmi d'autres de réduire les émissions. Donc, on reconnaît cela. L'idéal, en fait, et on le reconnaît dans l'étude, ce serait d'effectuer une modélisation région par région de tous les secteurs de l'économie pour voir dans quelle mesure l'ensemble des politiques et pas juste la tarification carbone interagissent entre elles pour atteindre des résultats de politique. Mais la modélisation ne faisait pas partie de l'étendue de nos travaux. Et donc, on s'est concentré sur une série d'indicateurs qui représentent une bonne conception des programmes. Deuxièmement, est-ce que le signal de prix est transparent et à long terme? Est-ce que le système fournit une incitation qui permet aux acteurs, disons, d'avoir une prévisibilité à long terme sur le prix du carbone? Troisièmement, et c'est une composante de l'efficacité, qu'en est-il de la protection de la compétitivité des firmes et la gestion des fuites de carbone? Donc, ce n'est pas tout de réduire les émissions, mais on doit le faire d'une façon intelligente, sans nuire outre mesure au secteur économique sujet à la compétitivité interprovinciale et internationale. Et quatrièmement, est-ce que les peuples autochtones, les entreprises vulnérables, les ménages sont pris en compte dans les mécanismes de tarification du carbone? Est-ce qu'il y a une composante d'équité qui est prise en compte dans les systèmes? Quelques remarques avant de passer aux résultats. On reconnaît d'emblée là, que la tarification du carbone pour les peuples autochtones mérite plus d'attention. Les peuples autochtones au Canada ont des points de vue très différents sur la tarification du carbone. Plus particulièrement, les opinions varient quant au bien fondé même de la tarification du carbone comme stratégie d'atténuation, comme stratégie de réduction des GES. Et le traitement des peuples et des communautés autochtones dans les différents systèmes de tarification du carbone est très varié. Ça ne veut pas dire que cette variation-là, ce traitement différencié est nécessairement mauvais. Un traitement parfaitement égal pourrait ne pas être équitable. Par contre, on reconnaît que l'évaluation devrait pousser plus loin la question là, de la prise en compte des impacts sur les communautés autochtones. Bon, j'avais d'autres éléments, mais je vais passer aux résultats. Donc, simplement mentionner que, pour finir sur les éléments de contexte, là, le cadre pan-canadien sur la croissance propre et le changement climatique a été adopté en 2016 et un des principes qui est souvent mentionné d'ailleurs au Québec et donc c'est la reconnaissance de la flexibilité dans la mise en œuvre de la tarification du carbone et ça découle de la déclaration de Vancouver sur la croissance propre et les changements climatiques de 2016 qui a pavé la voie au cadre pan-canadien. Donc c'est un principe important du cadre pan-canadien qui demeure respecté toujours aujourd'hui. Ce qu'il faut dire aussi, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'avant le cadre pan-canadien, les systèmes de tarification du carbone dans les différentes juridictions étaient très inégaux. Et donc, avant 2016, seulement 38 % des émissions du Canada étaient couvertes par la tarification du carbone. On va voir qu'aujourd'hui, après la mise en œuvre de la tarification du carbone et du filet de sécurité fédéral, cette proportion-là a augmenté substantiellement. Bref, historique aussi de la tarification du carbone au pays. L'Alberta et le Québec ont été les précurseurs. Donc, l'Alberta en 2007 avec le règlement sur les émetteurs de gaz spécifiques. Le Québec en 2007 avec la redevance annuelle au fonds vert, c'est-à-dire une redevance sur le carbone là, qui s'appliquait à la distribution de tous les carburants dans la province et qui a été remplacé en 2013 par le système de plafonnement et échange avec l'entrée en vigueur du système. Bon, le Manitoba en 2012 là, avec une taxe sur le carbone ciblée là, par secteur pour éliminer l'électricité par le charbon.
Aujourd'hui, il y a trois grandes familles de tarification du carbone au Canada. D'abord, la taxe sur le carbone qui peut s'appliquer soit à toutes les émissions de combustion, donc autant les émissions, liées aux distributeurs de carburant dans les stations d'essence, les combustibles dans les bâtiments des résidences, des particuliers, les petites entreprises et aussi les grands émetteurs pour ce qui est des émissions de combustion et à distinguer en passant des émissions de procédés industriels qui impliquent un changement dans la chimie des gaz. Donc, émissions de combustion, émissions de procédés, c'est une distinction qui est importante à garder en tête. Donc, au Canada, en Colombie-Britannique et dans les territoires du Nord-Ouest, c'est la taxe sur le carbone qui s'applique autant au secteur résidentiel, transport qu'aux grands émetteurs. La taxe sur le carbone peut être appliquée aussi à un sous-ensemble de combustibles, donc toutes les émissions sauf les émissions des grands émetteurs, donc dans les transports et les bâtiments principalement et les petites entreprises. Donc, c'est le cas en Alberta, en Saskatchewan et dans plusieurs autres provinces. Deuxièmement, les systèmes de plafonnement et d'échange qu'on connaît bien au Québec. Donc, il y a deux juridictions au Canada qui ont adopté ce système. Le Québec, où le système est joint avec l'État de la Californie, et en Nouvelle-Écosse, où il n'y a pas de jonction avec d'autres marchés. Troisièmement, les systèmes de tarification fondés sur le rendement, ou STFR. En anglais, c'est Output-Based Pricing System, ou OBPS. Donc, ce sont des systèmes qui s'inspirent en fait du système albertain et que le fédéral a choisi d'adopter pour couvrir les émissions des grands émetteurs pour les juridictions qui choisissent le filet de sécurité fédéral. Comment ça fonctionne en gros, c'est que les systèmes fixent des standards de performance et ça, bon, si on regarde dans la réglementation, c'est vraiment ventilé par tous les sous-secteurs, donc aluminium, fer, etc. Et donc, on a des standards de performance en tonnes d'émissions de GES, donc en unité d'équivalent CO2 par unité de production. Et toutes les émissions qui on parle de usine par usine. Donc, pour une usine, toutes les émissions qui sont en haut, finalement, du standard de performance, c'est celles-là qui vont faire l'objet d'une tarification. Les émissions qui sont en bas du standard de performance, donc, par exemple, si le standard est fixé à 5 grammes par tonne de matière X. Donc, si une usine émet 6 tonnes par gramme, donc c'est 1 gramme de CO2 qui va être tarifé et non pas les 6 grammes. Donc, c'est vraiment important de comprendre que ce sont les émissions excédentaires aux standards de performance qui vont être tarifées. Les industries peuvent choisir de payer le prix sur le carbone, donc selon le prix publié par le gouvernement, donc 2040 $, et ça monte jusqu'à 170 en 2030, ou peuvent acheter des crédits carbone qui auront été mis en vente par les autres usines qui, elles, auront outrepassé leur standard de performance. Donc, si ça marche un peu comme le système de plafonnement et échange, en quelque sorte, si une usine décide de battre le standard de performance, bien, elle peut générer un crédit qu'elle pourra ensuite revendre sur le marché qui a été créé dans le système de tarification fondé sur le rendement. Peut-être quelques mots sur le filet de sécurité fédérale. Donc, les provinces et les territoires ont le choix de mettre en œuvre leur propre système ou d'adopter le système fédéral. Et le système fédéral est vraiment séparé en deux grandes composantes. D'une part, la redevance sur le carbone appliquée aux combustibles fossiles. Donc, ça, c'est tous les combustibles qui ne sont pas les grands émetteurs, finalement. Donc, surtout l'essence à la pompe pour le secteur des transports, mais aussi dans les bâtiments.
Donc, ça, c'est la première composante. Et la deuxième composante, c'est le système de tarification fondé sur le rendement pour les grands émetteurs. Donc, comme on va le voir, il y a toute une diversité de choix. Par exemple, le Yukon, le Nunavut, le Manitoba et l'Ontario ont choisi d'adopter pour le moment, donc ce qui est en vigueur, là, les deux aspects fédéraux, donc autant pour les combustibles, transports, bâtiments, etc., que pour les grands émetteurs, c'est les deux composantes du système fédéral qui sont en vigueur. Par contre, il y a d'autres territoires, d'autres juridictions qui ont décidé de faire un hybride. Donc, par exemple, en Alberta et en Saskatchewan, c'est la redevance fédérale sur les combustibles qui s'applique, mais on a un système provincial qui s'applique aux grands émetteurs. Et présentement, c'est l'inverse au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est la redevance provinciale sur les combustibles qui s'applique, mais on applique encore le système fédéral pour les grands émetteurs. À noter que l'Ontario et le Nouveau-Brunswick sont en train là, de finaliser les détails d'un système provincial pour les grands émetteurs, mais qui n'est pas encore finalisé. Donc, on voit aussi que bon, la taxe sur le carbone, comme on mentionnait, en Colombie-Britannique et sur, dans les territoires du Nord-Ouest et le Québec en vert pour le, ainsi que la Nouvelle-Écosse pour des systèmes de plafonnement et d'échange. Terre-Neuve et Labrador a son propre système provincial sur les combustibles et pour les grands émetteurs. Donc, on voit un peu la répartition de la couverture là, selon les grandes familles de systèmes. Donc, la première conclusion, c'est que le système est complexe. L'architecture de tarification carbone au Canada, du fait qu'on veut respecter la déclaration de Vancouver puis la flexibilité, ça implique que, bon, on se retrouve avec toutes sortes de systèmes différents. Et donc, dans ce contexte-là, évaluer l'efficacité avec des indicateurs communs, c'est un défi. Et donc, je vais vous présenter comment on a tenté là, de répondre à ce défi-là pour arriver à avoir une évaluation objective. Premièrement, la couverture. Donc, c'est une évaluation, c'est un critère donc, qui est assez facile à mesurer. On regarde les différents secteurs, puis on soustrait finalement les exemptions qui sont prévues dans la réglementation. Et on remarque d'emblée là, que le taux de couverture est inégal au Canada, varie de 54 % à 87 %, donc 54 % du Prince-Édouard, 87 % en Nouvelle-Écosse. Il y a plusieurs exemptions, donc l'agriculture, les matières résiduelles, le transport ferroviaire, ça dépend vraiment des différentes provinces et territoires. Au Québec, les combustibles, par exemple, des véhicules hors route utilisés en agriculture sont couverts par la tarification, mais c'est la seule province au Canada qui fait ça. Les autres provinces exemptent complètement les combustibles de l'agriculture. Il y a d'autres provinces qui exemptent complètement le chauffage parce que c'est des communautés éloignées, donc il y a toutes sortes de considérations. Les émissions de procédés industriels, donc à distinguer des émissions de combustion, donc les émissions de procédés font présentement l'objet d'une couverture très inégale. On parle de 1 % seulement en Saskatchewan, jusqu'à 78 % au Québec. On parle de 38 % en Alberta, 63 % en Ontario. Donc, ça va vraiment dans tous les sens pour les émissions de procédés industriels. Donc, principe de fiscalité, on parle de l'assiette fiscale, donc la couverture, et maintenant on regarde le prix qui est appliqué aux émissions. Il faut faire attention encore, on va distinguer le prix marginal et le prix moyen, c'est fondamental. Donc, le coût marginal, c'est vraiment le coût qui est chargé sur les émissions. Il y a certaines émissions qui ne font pas l'objet d'une tarification, même si elles sont couvertes par le régime. Donc, on parlait juste avant du système de tarification fondé sur le rendement, le STFR, le système applicable aux grands émetteurs industriels. Donc, c'est seulement le 1 gramme au-dessus du standard de performance qui est tarifé. Donc, ça, c'est le prix marginal qui s'applique là-dessus. Mais le prix du carbone, le prix moyen, ça, c'est finalement le prix effectif payé sur le total des émissions couvertes. Alors, ça, on va voir des figures différentes pour le prix moyen.
Et le prix moyen, finalement, c'est ce qui est effectivement payé par les industries, par les consommateurs sur leurs factures. Donc, le coût marginal du carbone, c'est ce qui est affiché donc, publiquement dans la réglementation, ce qui va monter à 170 $ en 2030. Donc, au moment de réaliser l'analyse, le prix réglementé était à 30 $. Mais on voit que selon les systèmes, il y a des systèmes provinciaux qui avaient un coût marginal plus faible. Le Québec, 23 $, bon, mais ça, c'est le prix observé sur le marché du carbone qui n'est pas prévu dans le règlement, mais qui est le résultat de l'offre et de la demande de crédit d'émission. C'est en Colombie-Britannique où on a le coût marginal le plus élevé à 41 $ la tonne. Il faut dire que pour les systèmes de plafonnement et d'échange comme le Québec, c'est important de mentionner que le prix ne dit pas tout. Par exemple, est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'avoir un prix très élevé dans un système de plafonnement et d'échange où, en parallèle du système de plafonnement, on a toutes sortes de politiques et de programmes pour inciter à la transition énergétique? Et donc, si ces programmes-là sont efficaces, ça veut dire que les acteurs, les industries, le réseau de transport, les ménages qui s'achètent des véhicules électriques n'auront peut-être pas à payer le prix sur le carbone ou vont moins payer d'essence. Et donc, il y aura moins de demandes pour les crédits carbone auprès des distributeurs de carburant, ce qui va exercer une pression à la baisse sur le prix. Donc, plus on augmente la générosité des programmes de réduction de GES, ben, effectivement, il va y avoir une demande moins grande pour les crédits, ce qui va avoir une pression à la baisse sur le prix. Et donc, il faut faire attention de ne pas égaler le prix avec l'efficacité du système dans les systèmes de plafonnement et d'échange. Maintenant, le coût moyen sur le carbone, donc comme je disais, le prix effectivement payé sur le total des émissions couvertes, encore là, très grande variation à travers les régimes au Canada. On parle d'un minimum de 4 $ par tonne donc en Nouvelle-Écosse et 36 $ en Colombie-Britannique. Bon, la Nouvelle-Écosse, c'est parce qu'il y a une allocation gratuite de crédits d'émission dans le système de plafonnement et d'échange qui s'applique aux distributeurs de carburant et non pas seulement aux grands émetteurs. Donc, c'est une situation un peu exceptionnelle et on va voir que le gouvernement fédéral a décidé de remédier à cette situation dans sa dernière mise à jour. L'Alberta et la Saskatchewan ont un coût moyen plus faible parce que les grands émetteurs représentent une plus grande part des émissions totales de chaque province. Et on sait que dans les systèmes provinciaux de grands émetteurs, il y a une grande part des crédits qui sont alloués de façon gratuite. Donc, ce qui porte à la baisse le coût moyen du carbone. Si on met ça dans le même graphique, donc on voit, il y a beaucoup d'informations là, mais à gauche, on voit la couverture et c'est les barres bleues là, que vous voyez, ce qui rattache à l'échelle de gauche en pourcentage, dont le Québec, l'Alberta, l'Ontario, le Colombie-Britannique, c'est dans les meilleurs élèves au niveau de la couverture. Ensuite, les points noirs constituent l'incitatif marginal, donc le coût marginal, et ensuite le coût moyen, c'est les petits triangles rouges. Et donc là, c'est excluant les grands émetteurs, donc vraiment les combustibles vendus à la pompe pour les bâtiments et pour les petites moyennes entreprises, les petits émetteurs. Donc, ce qui ressort, c'est la Nouvelle-Écosse. On voit un écart assez grand là, entre le point noir, qui est le coût marginal, et le point rouge, le triangle rouge, le coût moyen en raison de l'allocation gratuite aux distributeurs de carburant. On voit aussi que c'est assez inégal au Canada, là, donc on n'a pas un coût ni marginal ni moyen égal en raison de la flexibilité qu'on préserve. Finalement, pour les grands émetteurs, bon, mais là, couverture inégale, grand écart entre le coût marginal et le coût moyen en raison du niveau d'allocation gratuite là, de crédit d'émission dans les différents systèmes. Plus on alloue gratuitement
les crédits d'émission dans le but de protéger la compétitivité des grandes entreprises par rapport à d'autres juridictions qui ne font pas l'objet de tarification carbone. Et donc, plus il va y avoir un écart entre le coût marginal et le coût moyen. Ce qu'on remarque aussi, si on regarde entre les différents secteurs industriels, donc pâte et papier, ciment, mine, électricité, etc., c'est que si on se place d'un point de vue d'un industriel dans un secteur, à travers les juridictions, donc les différentes juridictions, provinces et territoires sont représentées par les points noirs sur le graphique, il y a des différences importantes de traitement entre les juridictions pour les différents secteurs. Et donc, ce qu'on souligne dans l'évaluation, c'est que cette variation-là provoque un désalignement de la compétitivité nationale. Et donc, là, on ne parle pas de compétitivité internationale, mais on pourrait voir des dynamiques de fuite de carbone entre les provinces et les territoires dues à ce désalignement-là entre les secteurs, ce qui est un problème si on veut éviter finalement une course vers le fond entre les différentes juridictions et une course où les provinces et les territoires chercheraient à attirer les différentes industries par des réglementations plus complaisantes ou des exemptions. Donc, c'est quelque chose à garder en tête et à faire attention dans une fédération comme le Canada. Au-delà de la tarification, le recyclage des recettes, donc comment les revenus sont retournés dans l'économie, ont des impacts importants sur l'efficacité du régime. Donc, par exemple, dans certaines provinces, dans certaines juridictions, on offre des remises directement à la pompe. Donc, dans les stations d'essence, on va, la tarification du carbone devrait augmenter le prix du litre de 5 sous. Ben, on dit la province, comme le Nouveau-Brunswick, remet quelques sous, 2 sous par exemple, donc il faudrait voir les chiffres, là, mais sur la tarification fédérale, donc on vient affaiblir le signal prix clairement, là, et ça c'est un problème. Il y a des remises qui sont non liées à la consommation de carburant, donc c'est l'approche fédérale pour les combustibles dans les provinces qui choisissent le système fédéral. Donc, on dit vous payez plus cher à la pompe, mais vous allez recevoir 4 fois par année un chèque qui représente finalement tous les revenus qui ont été tirés de tous les consommateurs, donc pas seulement de votre consommation à vous, mais du pool ou de l'ensemble des consommateurs. Et donc, ça permet quand même à un ménage d'acheter une voiture électrique, par exemple, de réduire sa consommation d'essence ou acheter des plus petits véhicules ou même prendre le transport en commun et de continuer à recevoir le chèque. Donc, ça peut être intéressant. Il peut aussi avoir des réductions d'impôts comme en Colombie-Britannique qui ne sont pas liées à la consommation de carburant. Et donc là, on maintient le signal prix et l'efficacité du système. On peut aussi, comme ça se fait largement au Québec et aussi dans d'autres juridictions, on prend les revenus du marché du carbone et on le verse dans un fonds vert qui, maintenant le fonds d'électrification, qui permet de financer là, des programmes pour réduire les GES, mais aussi s'adapter aux impacts des changements climatiques. Je vais passer au résumé des défis et des recommandations qui ressortent de cette analyse-là. Donc, on a publié cet élément d'analyse une semaine là, après l'évaluation d'experts. C'est en ligne sur notre site si vous voulez le consulter. 5 grands constats, 5 grands défis, donc ce qu'on appelle la mosaïque des mécanismes canadiens de tarification carbone. D'une part, au niveau de la couverture, on remarque que la tarification carbone ne s'applique pas aux mêmes émissions partout. La couverture inégale des émissions de procédés industriels, c'est un bon exemple. Il y a des exemptions qui peuvent tout à fait se fonder sur des raisons légitimes, mais il y a des coûts associés à ça. Et il faut
voir si les exemptions sont vraiment légitimes. Donc, par exemple, l'exclusion des carburants d'aviation dans le Nord pourrait être logique, sinon il y aurait des conséquences disproportionnées sur les revenus des communautés éloignées qui sont déjà vulnérables. Mais il y a aussi d'autres approches pour atténuer les conséquences de la tarification au carbone sur les revenus des ménages qui ne diluent pas l'incitatif liés aux coûts, notamment les remboursements directs non liés à la consommation de carburant et les réductions de l'impôt sur le revenu. Deuxièmement, le prix sur le carbone n'est pas le même partout. Donc, on estime que l'incitatif lié au coût marginal ou la valeur associée à la réduction des émissions d'une tonne au Canada varie entre 16 et 41 $. On a constaté aussi que certaines administrations compensent le prix du carbone en réduisant leur taxe sur les combustibles, tandis que d'autres remboursent la taxe sur le carbone au point de vente. Cette façon de faire-là annule totalement l'incitatif de prix et le coût marginal. Troisièmement, les coûts imposés à l'industrie ne sont pas les mêmes partout. On a même été surpris par la grande variation du coût moyen appliqué entre les juridictions. Donc, on parle pour les grandes industries de 1,80 $ la tonne à 26 $ la tonne selon les juridictions, avec une moyenne au niveau fédéral pour les grandes industries de 4,96 $ la tonne en 2020. Donc, c'est moins de 5 $ la tonne pour les grands émetteurs. C'est une tarification qui est exceptionnellement basse, qui équivaut à un coût de 0,6 cents par dollar de PIB, donc 0,06% de la valeur économique créée par ces secteurs. Donc, les différences de coûts ont des répercussions sur les risques de compétitivité internationale et nationale entre les régions et entre les secteurs, mais aussi sur l'efficacité des politiques à long terme. Et cette disparité-là entre les régions va être exacerbée à mesure que va augmenter le prix du carbone jusqu'en 2030. Quatrièmement, presque tous les programmes manquent de transparence. En général, là, il n'est pas possible d'accéder à de l'information sur la conformité ni aux prévisions du marché des échanges pour évaluer les risques possibles quant à l'efficacité des politiques. La manière dont les revenus sont retournés dans l'économie est également opaque. Ça constitue un risque puisque le recyclage des revenus du carbone peut influencer l'efficacité et la rigueur globale, soit positivement ou négativement. Je mentionnerai au passage, par contre, que le Québec fait bonne figure dans les juridictions examinées par rapport à la transparence du recyclage des revenus du marché du carbone. Cinquièmement, les signaux de prix de long terme sont généralement absents. Il faut dire que l'évaluation a été réalisée avant la mise à jour du mois d'août, du début août, et donc on n'avait pas encore implanté dans la réglementation le prix du carbone jusqu'en 2030. À ce moment-là, ça s'arrêtait en 2022. Et donc, arrêter la tarification seulement à une ou deux années dans le futur, ça crée de l'incertitude et ça nuit à la prévisibilité, prévisibilité qui est reconnue là, dans le monde économique comme une variable très importante pour les investissements et pour la viabilité économique. Cinq recommandations qui découlent de notre évaluation d'experts. Donc, on a recommandé au gouvernement fédéral d'élaborer une norme commune pour toutes les juridictions pour standardiser la couverture des émissions. Et cela dit, tout en reconnaissant la flexibilité dans la façon de tarifer le carbone, de mettre un prix sur le carbone, mais quand même d'avoir une norme commune de couverture. Deuxièmement, abolir les remboursements au point de vente liés à la consommation de carburant, donc enlever cette mesure qui affaiblit et même qui efface le signal prix. Troisièmement, définir une trajectoire pour mieux harmoniser et aussi augmenter les coûts moyens applicables aux grands émetteurs. Donc, premièrement, les méthodes de fixation des standards de performance, donc les barèmes finalement qui déterminent quelles émissions vont faire l'objet de la tarification sont présentement, c'est assez opaque à travers les juridictions, donc il faudrait
que c'est la méthode de fixation de ces standards-là soit définie clairement à travers les juridictions et au niveau fédéral. Et il faudrait harmoniser les standards de performance entre les régions et les secteurs et donc avoir des forums ou des espaces où on pourrait regarder à travers les secteurs industriels qu'est-ce qui pourrait être des standards de performance plus uniformes. Quatrièmement, mieux inclure les peuples autochtones à la gouvernance. Donc, comme mentionné au début, là, les mécanismes de tarification du carbone ne traitent pas les peuples autochtones de manière uniforme. Dans certaines régions, il y a certaines communautés qui bénéficient d'exemptions qui leur permettent d'éviter le coût du carbone, tandis que d'autres communautés doivent assumer en entier le coût du carbone. Et donc, il devrait y avoir un dialogue plus soutenu avec les communautés autochtones pour éclairer les changements potentiels de politique. On devrait aussi prendre en considération explicitement dans la tarification du carbone les communautés non inscrites et autonomes, les Premières Nations et les Inuits, les Métis, ainsi que les personnes autochtones qui résident dans des communautés non autochtones. Finalement, on a recommandé d'assurer une amélioration continue par plus de transparence et plus d'évaluation, donc publier périodiquement un ensemble commun de données fédérales, provinciales, territoriales, avec des lignes directrices communes sur, c'est quoi la proportion des émissions qui a fait l'objet d'une tarification, c'est quoi les exemptions détaillées, etc., et ne pas avoir des évaluations indépendantes et de la recherche dans les règlements qui sont très différents pour trouver les changements et pouvoir mettre à jour l'évaluation d'experts qu'on a réalisée. En août dernier, donc le 5 août dernier, le gouvernement fédéral a mis à jour l'approche pan-canadienne, pour une tarification de la pollution par le carbone pour la période de 2023 à 2030. On a regardé la mise à jour et ce qu'on conclut, c'est que la mise à jour est un pas dans la bonne direction. Par contre, pour faire fléchir les émissions industrielles, il y a d'autres ajustements au modèle fédéral qui vont être nécessaires. Donc, ce que la mise à jour fait, donc, on répond au signal prix à long terme. Donc, ça, c'est très important. On fixe un prix minimum pour 2023 à 2030 qui est officiellement reconnu dans la réglementation. Donc, 65 $ en 2023 jusqu'à 170 $ en 2030. Jusqu'en 2023, on augmentait de 10 $ par année. Et maintenant, on va commencer à augmenter de 15 $ par année à partir de 2023. Avant la mise à jour, seul le Québec disposait d'un signal de prix à long terme jusqu'en 2030, grâce au resserrement de ses plafonds d'émissions. Deuxièmement, la mise à jour interdit les remises ou les réductions de taxes sur le carburant qui sont directement liées à la consommation de carburant. Donc, c'était une de nos recommandations. Donc, très bonne nouvelle. On va cesser d'éroder le signal prix dans les juridictions qui utilisaient ces pratiques. Troisièmement, on interdit l'allocation gratuite de droits d'émission aux distributeurs de carburant. Donc, on vient viser spécifiquement la Nouvelle-Écosse par cette mesure. Quatrièmement, on fixe un seuil minimal de couverture pour les émissions de combustion. Donc, c'est intéressant parce qu'on dit ici que les provinces et les territoires devront couvrir un pourcentage équivalent à ce qui serait couvert par le système fédéral. Donc, le gouvernement fédéral va faire une modélisation, à savoir si le système fédéral s'appliquait dans toutes les juridictions, quel est le pourcentage des émissions qui seront couvertes et va regarder si effectivement les systèmes provinciaux ou territoriaux respectent ce pourcentage. Par contre, on permet aux provinces et aux territoires d'avoir des seuils de couverture différenciés entre les secteurs. Donc, on s'intéresse seulement au seuil total sur l'ensemble de l'économie, mais par contre, on pourrait dire, on va exempter, l'aluminium ou on va exempter les pâtes et papiers dans un certain secteur, puis on va faire porter un plus grand poids, plus grande couverture sur d'autres secteurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est permis par la réglementation fédérale. Et pour nous, on aurait préféré avoir des seuils sectoriels pour s'assurer d'éviter une compétition entre les secteurs industriels, entre les provinces et les territoires.
Cinquièmement, et ça c'est une excellente nouvelle, on impose la couverture des émissions de procédés industriels dans toutes les juridictions. On voyait que ces émissions-là avaient une couverture là, qui variait de 1 à 78 %, donc ce ne sera plus le cas. Finalement, on exige plus de rapports publics, ça c'est excellent, c'est une excellente nouvelle également. Par contre, au niveau des émetteurs industriels, et je vais essayer de finir rapidement pour laisser des questions, on ne fixe pas de standards de performance minimaux pour les émetteurs industriels. Et donc, les provinces et les territoires demeurent libres de fixer les standards de performance selon leur bon vouloir, selon ce qu'ils jugent approprié pour réduire les émissions et protéger la compétitivité de leur secteur. Et donc, finalement, ce qu'on vient dire, c'est que les allocations gratuites pourront continuer de représenter une très grande portion de la tarification du carbone pour les grands émetteurs. Et donc, on ne vient pas envoyer un signal prix fort pour les grands émetteurs à réduire leurs émissions. Et donc, c'est problématique là, pour avoir de réelles réductions dans les secteurs industriels. Finalement, au-delà de fixer des standards de performance, il faudrait aussi s'assurer qu'on fait diminuer ces standards de performance-là année après année d'une façon qui est prévisible et qui permet à l'industrie de s'adapter et de prévoir à long terme leur modèle d'affaires. Et donc, on n'a pas de resserrement annuel des standards de performance, même si la mise à jour reconnaît que ce serait une bonne pratique de le faire, mais a décidé de ne pas le faire dans cette mise à jour-ci. Donc, finalement, le nouveau modèle pour la fédérale de la tarification du carbone au Canada, c'est une bonne amélioration par rapport à avant la mise à jour. Donc, la mise à jour établit de nouvelles règles pour toutes les provinces et les territoires. On améliore l'efficacité globale tout en respectant les choix de conception des provinces et des territoires. Par contre, il va falloir poursuivre le travail pour mieux harmoniser les programmes de grands émetteurs à travers les provinces et les territoires, puis aussi accroître le caractère contraignant en cohérence avec nos objectifs climatiques. Donc, ça complète ma présentation. Je mentionne que la présentation est disponible en ligne sur le site de la chaire et l'enregistrement va également être disponible sur le compte YouTube de la chaire. Merci. Merci beaucoup, Renaud. Il y a plusieurs questions qui ont été partagées. Donc, je vais te poser une première question de Vincent Clusio-Perrault sur les systèmes de marché du carbone volontaires. Est-ce que ça ne serait pas aussi un système de tarification? Est-ce que vous les avez regardés? On parle de quel système volontaire exactement? D'une manière générale, des systèmes, des tarifications volontaires. Il n'y a pas de précision. On s'est concentré sur les systèmes contraignants. Il y a d'autres systèmes qui s'appliquent à certains secteurs, par exemple à l'administration publique pour la neutralité carbone dans certaines provinces. On n'a pas regardé ces systèmes-là. Donc, je ne peux pas en dire plus là, sur les systèmes volontaires. Une question de Sébastien Comazis qui demande si la tarification fondée sur le rendement est ouverte à des spéculateurs qui pourraient acheter des crédits dans ce marché-là et les revendre à d'autres émetteurs. C'est une bonne question. Je sais que dans le marché du carbone québécois, on permet aux participants qui ne sont pas des émetteurs de participer au marché, d'acheter des crédits. Oui. D'ailleurs, je pense que, M. Pinault, vous êtes participant au marché québécois. Peut-être que vous pourrez nous en parler. Mais je ne sais pas si le système fédéral permet à ces émetteurs-là. Par contre, je ne pense pas qu'il y aurait un grand impact d'ouvrir le marché aux participants. Et dans tous les cas, s'il y a une plus grande demande pour les crédits, le prix va monter, ce qui va constituer un incitatif supplémentaire à la réduction des émissions. Donc, ça serait une bonne chose de le permettre. Une question de Christophe Abrassard qui dit la chose suivante. L'approche adoptée est territoriale. Les émissions de gaz à effet de serre sont sur le territoire canadien. Est-ce que vous avez regardé des tarifications d'émissions de carbone importées qui incluent donc les émissions liées à la fabrication des produits importés? Est-ce que ça existe sur Terre, ce genre de tarification?
Présentement, ce n'est pas l'approche qui est retenue par le Canada ni par les conventions internationales pour la tarification du carbone. On se concentre sur les émissions territoriales. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas regarder les émissions liées à la consommation. Il faut essayer d'éviter le plus possible la double tarification on va peut-être avoir l'occasion de se pencher sur la façon dont les biens de consommation font l'objet d'une tarification ailleurs qu'au Canada dans le contexte du projet là, de l'ajustement à la frontière du carbone dont le gouvernement fédéral a annoncé une volonté là, d'explorer ce mécanisme-là. On passe du coq à l'âne, mais c'est toujours lié évidemment à la présentation. Sylvain Odette pose la question, est-ce que vous pouvez préciser un peu les exemptions pour les communautés autochtones? Est-ce que par exemple une entreprise sur un territoire autochtone ou dans une province donnée pourrait profiter d'exemption parce qu'elle est sur en territoire autochtone? Les exemptions, il y a toutes sortes d'exemptions là, pour les communautés autochtones. Il y a des exemptions directes qui s'appliquent aux Premières Nations pour les achats de carburant sur les réserves dans les communautés autochtones. Ça s'applique pour les Premières Nations inscrites qui sont régies par la loi sur les Indiens. Il y a également des exemptions indirectes qui s'appliquent à certaines sources d'émissions. Comme par exemple l'exemption de l'aviation ou la production d'électricité au diesel dans les communautés éloignées, par exemple au Yukon. Il y a des exemptions hors réserve qui sont disponibles pour les membres des Premières Nations inscrits s'ils prennent possession du carburant sur la réserve. En ce qui concerne les entreprises, il faudrait vérifier s'il y a des critères de contrôle effectifs là, par des autochtones inscrits là, selon la loi sur les Indiens. Je ne pourrais pas m'avancer sur ces détails-là. Une question de Jérémy Kennel sur la diapositive 15 qui montre les coûts moyens sectoriels pour les différents secteurs. Il y a différents points noirs et la question c'est est-ce qu'on peut savoir dans quelle province, à quelle province correspondent les différents points noirs, les différents niveaux de prix dans les différents secteurs? Non, on a choisi de ne pas présenter l'information province par province pour préserver des informations sensibles au niveau industriel. Voilà, je ne peux pas en dire plus malheureusement sur les provinces. Deux questions sur les fuites potentielles de carbone. Une question de José Duhem et une autre de Julie Guichetot. Qu'est-ce que vous entendez par des fuites potentielles entre les provinces? Et Julie Guichetot continue en demandant, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on observe parce que c'est difficile de déménager une usine et que les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas la seule considération dans l'emplacement des usines et des industries? Tout à fait, c'est vrai. La disponibilité de la main-d'œuvre, l'environnement général d'affaires, il y a un ensemble de considérations, là. On ne peut pas penser que simplement un prix sur le carbone ou même le niveau de taxation générale, c'est le seul facteur dans le choix des entreprises là, pour la juridiction d'appartenance. Par contre, une tarification variée, c'est un facteur de plus qui pourrait encourager des déplacements dans les décisions d'affaires, ça pèse dans la balance et il faut faire attention de ne pas avoir des différences trop importantes entre les différents secteurs au sein d'un pays et idéalement même entre les pays qui sont nos partenaires commerciaux. Merci. Concernant une question de Patrick Faubert, concernant la remise des sommes provenant des tarifications du carbone, quel type de remise permet concrètement de réduire le mieux les émissions? Est-ce que ce sont les remises dans des fonds verts ou des remises via des impôts ou des chèques directs aux individus? Je n'ai pas trop compris le début de la question. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour réduire les Oui, émissions? qu'est-ce qui permet concrètement de réduire les émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'il y a des recommandations par rapport à plus des remises dans des programmes comme ceux du Fonds vert
ou des remises directes aux consommateurs ou aux industries? Ben, c'est sûr que les différents types de remises, ce sont des choix politiques et il y a un spectre entre l'équité par rapport aux ménages, aux entreprises et l'efficacité à réduire les émissions de GES. C'est sûr que si on prend l'ensemble des recettes et on le met dans des programmes qui sont spécifiquement dédiés à la réduction des GES, il va avoir un effet plus direct sur la réduction des GES, mais à ce moment-là, il peut avoir un effet plus important sur le portefeuille des ménages, et donc c'est un arbitrage politique. Nous, ce qu'on dit, c'est il faut être conscient de cet arbitrage, et c'est important de ne pas éroder le signal de prix par des remises directes liées à la consommation de carburant. Donc, si les remises ne sont pas liées, sont détachées de la consommation de carburant, on considère qu'il y a une efficacité du régime. Une question de Simon Gertin-Armstrong. En outre de la question de la couverture, devrait-il également y avoir une norme fédérale commune pour la rigueur des systèmes de tarification de la pollution carbone qui serait basée sur un prix explicite? Ben, présentement, le filet de sécurité fédérale, ce qu'on appelle le filet de sécurité fédérale qui comprend les deux composants, donc la charge sur les carburants et le système pour les grands émetteurs, comprend le prix explicite marginal sur la tonne payée, donc qui est présentement de 40 $ à la grandeur du pays. Le prix marginal ne peut pas être sous 40 $ Par contre, dans les juridictions qui ont adopté le plafonnement et échange, on a un critère d'efficacité. Donc, il faut savoir, est-ce que le système crée les réductions, similaires à un prix du carbone explicite de 40 $ Et donc, il y a d'autres considérations là, à adopter, comme on l'a mentionné, là, par rapport à l'efficacité des programmes de réduction qui peuvent avoir un impact sur le prix. Donc, il faut faire attention de ne pas juste considérer le prix. Donc, présentement, la norme fédérale est sur le prix marginal et non pas sur le prix moyen. Merci. Une question de Louis Fradette. Comment se compare le Canada avec les États-Unis ou l'Europe? Est-ce que vous pouvez élaborer? Ben, en Europe, on sait qu'il y a un système de plafonnement et d'échange qui est en vigueur. Aux États-Unis, il y a seulement une tarification du carbone dans un seul État, c'est en Californie, avec le système lié avec le Québec. Donc, il n'y a pas de prix carbone uniforme à l'échelle nationale aux États-Unis, ce qui peut causer des défis en termes de collaboration puis d'harmonisation de la politique commerciale. Et par rapport à l'Europe, je pense que je ne suis pas un spécialiste là, du système européen, mais de ce que j'ai vu dans les données récentes, le système européen se porte bien. Le signal prix est assez fort, est en hausse. Et donc, il y a eu des ajustements qui ont été faits pour réduire le nombre d'allocations gratuites pour les grands émetteurs au cours des années 2010, je crois, vers 2015, parce qu'on voyait un signal prix là, qui commence à être très faible. Et donc, on a agi en ce sens-là pour maintenir l'intégrité du marché puis s'assurer qu'il y ait un signal prix assez fort. Une question de clarification de David-André Plante. Est-ce qu'il existe un système de remise ou de crédit pour un émetteur de carbone qui émet à partir d'énergies renouvelables, par exemple des émissions provenant du secteur des bioénergies comme le biogaz ou le gaz naturel renouvelable? Oui, il y a un traitement spécifique des biocarburants, mais je n'ai pas l'information à portée de main, malheureusement. Il faudrait que je retourne là, dans la réglementation, mais ça me fera plaisir de partager l'information après la présentation. Mais d'une manière générale, ce sont des émissions qui ne sont pas pour lesquelles le gouvernement n'exige pas de tarification ou elles doivent être déclarées. Par exemple, au Québec, elles sont déclarées dans les inventaires, mais elles ne nécessitent pas la détention d'un droit d'émission parce que ce sont des émissions de source biogénique. Je pense que c'est le cas aussi dans le système fédéral. D'accord. Deux questions de Pascal Boudreau et d'Alexandre Dussault, indépendantes, mais qui touchent toutes les deux
le prix québécois, comment est-ce que le prix québécois va évoluer avec le prix de la taxe fédérale qui doit augmenter jusqu'à 170 $ la tonne d'ici 2030? Comment est-ce que ça, quel impact ça va avoir pour le prix québécois? Les plafonds d'émissions dans le système de plafonnement et échange du gouvernement du Québec sont publiés jusqu'en 2030 et ce sont des plafonds qui sont décroissants. Et donc, si on considère que les industries cherchent à émettre, mais que les plafonds sont décroissants, nécessairement, il va y avoir une rareté des crédits d'émission et ça va porter le prix à la hausse, à moins qu'il y ait des programmes de réduction de GES très, très efficaces là, qui ne portent pas le prix à la hausse, mais qui, malgré tout, entraînent des réductions de GES. Donc, on pourrait voir le prix augmenter en raison de la décroissance des plafonds d'émissions, mais ce n'est pas l'indicateur le plus important à surveiller dans le cas des systèmes de plafonnement et d'échange. Mais on regarde plutôt s'il y a un signal de long terme envoyé par la diminution des plafonds d'émissions. C'est le cas au Québec. Si, on va prendre une dernière question de Souila Cherfi. Est-ce que c'est possible de lier un système de plafonnement et d'échange comme celui du Québec avec un système de tarification fondé sur le rendement comme celui du fédéral? Question très intéressante et on pense que c'est possible de le faire. On ne sait pas exactement comment encore. Il y a de la réflexion à faire, mais c'est sûr que plus on lit les marchés en termes d'échange de crédits, plus on contribue à l'efficacité du régime et à aller chercher les réductions, disons, les moins coûteuses à travers le système. Et dans ce cas-ci, ça serait un système pan-canadien et même international si on inclut l'État de la Californie. Donc, il y a un potentiel certain à lier les marchés et c'est une avenue qu'on devrait explorer là, dans les mois et les années à venir. Il est midi, on va garder notre horaire et terminer maintenant. Il y avait une quinzaine de questions. Vos questions vont être transmises à Renaud Gignac pour ceux qui les ont posées. Alors, je veux remercier tout le monde d'avoir participé, évidemment, en particulier Renaud pour son exposé qui était très, très intéressant. Alors, merci, merci à tous et n'oubliez pas la semaine prochaine, on a un prochain webinaire de la chaire. Mardi prochain pour dévoiler et discuter le rapport sur la réglementation de l'énergie au Québec. Alors, je vous invite à vous y inscrire et à vous joindre à nous. Merci à tous, bonne après-midi. Au revoir. Merci.